Les temps changent, comme chantait le poète qui lui-même changeait de nom parce que les temps avaient changé, même s'ils ont aujourd'hui peut-être trop changé. Les temps changent, mais nous avons-nous aussi changé probablement. Sylvie, elle, semble avoir beaucoup changé. Sylvie a osé ce que d'autres n'osent pas. Peut-être parce qu'elle n'ose pas ou simplement parce qu'on ne leur a pas proposé, tout simplement. Ce n'est pas à tout le monde qu'on peut proposer de faire des photos qui ont du charme, des photos qui font rosir les ados qui les regardent. Mais pour faire des photos, il faut être deux. C'est ce soir l'histoire de Sylvie. Sylvie, ce soir, son histoire, ça va savoir Sylvie. Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Sylvie, vous avez 26 ans. Vous êtes sans travail actuellement, c'est ça? Oui. Et vous venez parce que vous vous retrouvez sans trop le vouloir, mais en le voulant un peu, tout en le refusant un tout petit peu, dans une situation difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes au pied du mur. Demain, il sera presque trop tard pour dire la vérité. Elle va apparaître, elle va s'étaler sur du papier glacé. La vérité, c'est un peu vous. Vous qui avez été photographié par des spécialistes, par des gens dont c'est le métier de rendre des femmes encore plus belles, surtout lorsqu'au départ, elles sont déjà jolies. Mais demain, ces photos vont paraître. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Et il va falloir le dire. Ben oui. Donc aujourd'hui, je suis venue sur ce plateau pour avouer et dire surtout à mon copain Claude que j'ai fait des photos de charme. Il faut savoir que les photos vont paraître dans une semaine, donc il est grand temps d'agir. Et Claude est un garçon très jaloux, très possessif, et j'ai très peur de sa réaction, donc c'est pour ça que j'ai préféré lui annoncer en public pour avoir un peu de soutien. Et vous pensez que, si j'ose dire, la pilule passera un petit peu mieux si c'est devant quelqu'un. Il n'osera peut-être pas être violent. Et est-ce qu'il est physiquement violent dans la vie? Est-ce qu'il lui est arrivé déjà de faire des erreurs de... Ça lui est déjà arrivé. Et ça vous fait un peu peur? Oui, c'est pour ça que je suis venue ici, parce que j'aurais pas osé lui annoncer autrement. Mais quelqu'un qui n'ose pas, vous dites ne pas oser... Comment est-ce qu'on ose faire ce que vous avez fait? Parce que, enfin, sans porter de jugement de valeur sur ce que vous avez fait, mais enfin, il faut quand même y aller, non? Bah, disons que j'ai pris ça pour une opportunité. Enfin, quelqu'un me l'a proposé et j'ai sauté sur l'occasion. Il faut savoir que Claude, ça fait un an qu'il ne travaille plus. Moi, 2 ans, mais moi, c'est par rapport à Claude. Il est tellement jaloux qu'il m'interdit d'avoir une vie sociable et peur de rencontre un autre homme. Ah bah oui, là, il va être gâté. Là. Lorsque vous dites que vous avez, pardonnez-moi, mais sauté sur l'occasion, là, l'occasion, c'est vraiment l'occasion de lui faire plus qu'un pied de nez. Là, parce que s'il est jaloux et que vous faites des photos plus que suggestives... Mais c'est par rapport à l'argent que je l'ai fait, entre autres. Non, mais moi, je vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je vous dis ce que vous avez fait... C'est pas non plus facile à faire, enfin. Le regard d'un photographe, se sentir belle, quelque part, oui. Et je pense que j'ai envie de continuer. Claude n'a pas ce regard aimant sur vous que vous avez trouvé chez d'autres à travers l'objectif. Il est étouffant, je suis emprisonnée. Ouais. Et là, on vous a regardé différemment, on vous a fait faire des... C'est quoi ces photos? Parce qu'on comprenne un peu, je veux dire, c'est juste... C'est des photos de charme, c'est dénudé. Bon, enfin, pour Claude, ça va pas être facile à avaler, comme non. On dit. Claude! Claude! Claude, bonsoir. Claude, vous avez 30 ans. Oui. Vous êtes pour l'instant sans travail? Oui, tout à fait. C'est difficile à vivre
Oui, c'est difficile, c'est certain. Hein. On cherche, mais bon, c'est pas toujours facile. On se sent comment? Un peu exclu de la société, puisqu'il se trouve que Sylvie non plus et n'a pas de travail actuellement. Est-ce que c'est vraiment lourd? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous regarde différemment, qu'on vous agresse, qu'on... Bah, c'est certain qu'on nous regarde différemment et que le regard des autres est un peu méprisant par rapport à nous, quoi. On est lésé tout le monde. Quand on va se présenter pour un travail, ben, on n'est jamais pris, quoi. On a ça vous humilie un peu et c'est une situation, j'imagine, qui ne vous plaît pas, quoi. Non, ça ne me plaît pas parce qu'à l'heure actuelle, une femme a plus sa place dans le milieu du travail, mais ce n'est pas pour le travail qu'on les prend, quoi. Mm-hmm. À chaque fois, c'est pour leur physique, c'est pour autre chose. Mm-hmm. Et nous, les hommes, on est mis de côté. Quoi. Ouais. Les femmes, on les prend parfois pour leur physique, c'est vrai. Vous imaginez qu'on puisse proposer quelque chose à Sylvie pour son physique? C'est quelqu'un que vous trouvez beau, belle? Bien sûr que ma femme est belle, c'est normal. Ouais. Pour moi, c'est la plus belle, quoi. Ouais. Son corps est... Bah, sans vouloir faire de l'humour gratuitement, là, je reprendrai bien au vol l'expression que vous venez d'employer. Hein. Il n'y a pas de photo, c'est peut-être le moment de... Ben voilà, à propos de photos, j'ai fait des photos de charme. Toi faire des photos de charme? Oui. T'es une pute ou quoi? Attends, tu vas te calmer. De un, tu m'insultes pas. Attends. De un, tu m'insultes pas. Et puis mais tu parles sur un autre ton, hein, tu n'es qu'une femme, hein, ça va? Je peux pas travailler, je suis emprisonnée, j'en ai marre. Emprisonnée, tu veux sortir, tu sors avec moi, c'est comme ça et pas autrement. Mais je peux. Tu l'as accepté depuis 3 ans, c'est comme ça et pas autrement, c'est tout. Non, mais justement, ça va changer. Qu'est-ce qui va changer? Ouais. D'aller faire la salope dans des livres? Mais je ne me suis pas fait toucher, c'est juste des photos. Et puis de un, j'ai payé le loyer et j'ai réglé les dettes avec ça. Toi, ça fait un an que je suis là. En fait, Claude, ce qu'elle essaie de vous dire, c'est qu'elle a touché un salaire. Un pactole. C'est pas un salaire, c'est un pactole. C'est faire la pute, quoi, je suis désolé. Non, mais tu arrêtes de m'humilier. Mais que c'est pas pour cela. Si tu bougeais ton cul pour trouver du travail, on n'en serait peut-être pas là. Mais je bouge mon cul. Bon, bah écoutez, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Si, ah bah si, un peu quand même. Ouais. Je sais pas, mais te foutre à poil dans un bouquin, quoi. Et puis quoi encore? Ah non, c'est une revue, hein, plutôt. Oh, mais allez-y, quoi, c'est la débandade. Mais t'es malade, toi. Mais ça ou quoi? Au contraire. Claude, vous ne faites que des jeux de mots qui n'ont vraiment, enfin, qui sont déplacés ici. Elle faire des photos de charme? Oui. Ah bah oui. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, il a fallu 1 an avant qu'on couche. Tu rigoles ou quoi? Mais là, je me suis pas donné, je me suis juste fait photographier. Ah ouais, et bien j'ai sûr. Aimé ça et j'ai envie de continuer. Ouais! T'as à moi, un point, c'est tout. Je vois pas avec qui tu dois aller d'autre que moi. Hein. J'ai pas été partagée, je veux dire. Ah non, t'es pas partagée, mais non, tout le monde va. Je vais être humiliée. Tout le monde va te voir. Mais ne le prends pas comme ça. Je le prends pas comme ça, je le prends comme je veux. Mais tu le prends comme tu veux, effectivement. Ouais. Mais moi, je vais continuer. Elle fait comme elle veut, Sylvie. Tout d'un coup, Sylvie se réveille. Sylvie sort d'un rêve et sans employer de gros mots comme ça, Sylvie, ça lui plaît d'être tout d'un coup regardée différemment. Elle a l'impression de s'assumer mieux, plus... Je me sens belle sous les regards des photographes. Ouais. Mais t'es belle avec moi. T'es belle avec moi. T'as pas à partager. Ouais. T'as pas à partager ça avec quelqu'un d'autre. Ouais. Vous avez connu une Sylvie un peu complexée, un peu angoissée. Bah c'est ma poupée. Disiez, quoi. C'est mon bébé à moi. Quoi. Ouais. Il faut pas le toucher. Ah bah c'est un tout. Grand bébé. Sylvie, vous nous disiez lorsqu'on a préparé l'émission qu'il est vrai qu'il y a encore peu de temps, vous aviez un peu de mal à communiquer. Oui, j'étais assez renfermée, timide. Et le fait d'avoir fait ces photos, ça m'a ouverte. Ouais. Je me sens libérée d'un poids et... Libérée, t'as pas besoin de ça pour te libérer, hein. Bah si, elle a eu besoin de ça. J'ai pas pu m'exprimer. Mais on fait ce que tu veux. Ma personnalité est complètement étouffée par toi. Ouais. Et heureusement que vous l'avez un peu aidée sans le savoir. C'est par votre intermédiaire qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? C'est par l'intermédiaire d'une personne que vous aimez bien. Enfin, ça peut être qu'un mec, quoi, pour penser comme ça, franchement. C'est pas tout à fait le cas. C'est votre sœur. Angélique, 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 Angélique,
Angélique, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous êtes esthéticienne. Tout à fait. Vous rendez les femmes encore plus belles. Oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie de votre savoir-faire. Et lorsque vous avez vu Sylvie, vous êtes dit quoi ? Je me suis dit que c'est une belle femme et qui mérite d'être épanouie et qui voilà. Et puis on est venu vous voir un de vos clients peut-être, non ? Qui cherchait. C'était une cliente à moi qui était avec son mari, qui faisait des photos de charme. Et puis j'ai tout de suite pensé à Sylvie, je lui ai proposé ça. Puis vous avez dit, tiens, ça va faire plaisir à mon grand frère, hein, tout de suite, j'imagine aussi. Ouf, je savais très bien qu'il n'allait pas aimer ça, mais bon, oui, mais enfin, ça vous plaît, ça, ce genre de choses, oui. Parfois, entre frères et sœurs, hein, on est un peu taquin comme ça. Oui, parce que surtout lui, il a toujours été coincé. Surtout moi, j'ai toujours été coincé. Arrête, s'il te plaît. Hein. Bah, oui, écoute. Si j'étais pas là à la maison pour t'en donner quelques-unes par jour, tu serais où maintenant? Ça, c'est fini, c'est terminé cette histoire-là. C'est fini. C'est du passé, c'est fini. Alors, maintenant, avec un seul homme, c'était moi, ça va? Tu changeras jamais de toute façon. Tu changeras jamais de toute façon. Tu as toujours été comme ça, tu resteras tout le temps comme ça, c'est malheureux pour toi. Hein. À mon avis, je devrais encore t'en donner quelques-unes, ça te ferait du bien. Non, pas du tout. Bah, vas-y, essaye. Essaye. Claude, vous n'avez. Pas démontrer grand-chose, là, en faisant ça. Claude. Je vais avoir honte de toi. Claude. Honte de moi ? Oui, Claude. Tout à fait. Claude, ce que vous avez fait n'est pas vraiment à votre honneur. C'est une sorte de famille, à la maison, elle en recevait. Ah bon, bah d'accord, ouais. C'est une petite... Ouais, mais c'est fini, ça, ça marche comme ça. C'est fini, ça. Mais enfin, là, Angélique n'a plus 12 ans. Elle a 28 ans, Angélique, elle a plus 12 ans. Au fond, vous avez fait ça contre votre frère, si nous comprenons un peu l'histoire. C'est plutôt réussi. Sylvie, ça vous a fait du bien aussi ? Ça vous a libéré, ça vous a fait qu'on vous regarde. Épanoui. Ouais. Sentez mieux, ouais. Ouais. Vous allez vraiment continuer? Oui, j'en ai la ferme intention. Ouais. Mais ça va, toi. Toi, bien fait pour toi, voilà. Bien fait. Toi, tout ce que tu fais, tu l'écoutes. Bien fait pour toi, voilà. Ouais. C'est plutôt une opération réussie. Bah oui, mais évidemment, tu vas l'écouter. C'est ta propre décision. Ça fait à peu de 3 ans qu'on est ensemble, 2 ans qu'on fait l'amour et madame comme ça du bout en blanc. Bah oui, je vais la suivre. Mais c'est normal, hein, prude comme tu es, sans cerveau, excuse-moi, mais. Elle est pas sans cerveau, c'est pas mais vrai. Si. Non, pas toi, du t'es tout. Pareil, t'es pareil, non, toi. Pas du tout, pas du tout. Si. Là, tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi, oui. C'est toi qui es sans cerveau. C'est toi. Moi, je suis sans cerveau. Regarde-toi. Mais je serais pas là regarde maintenant. J'aurais pas donné tout ce que je t'ai donné quand t'étais plus petite. Qu'est-ce jamais que tu serais donné ici. Tu m'as rien donné du tout. Je t'ai appris à vivre, moi. À prendre le ça respect va de l'homme, ça, ça va. Ça va, mais ça va pas la tête. La main, si, si. Par la mais main, non, pas du tout. Écoute. C'est beau, ça. Tu t'es jamais levé la main dessus, hein. Non. Parce que je sache. Ah bah ben non. Là, ce qu'on a vu, c'est de la rigolade. Hein, là vous avez fait semblant. Vous avez fait semblant. Hein, c'est juste pour lui faire peur, quoi. Sur ma femme, je n'aurais jamais levé la main. Ah bon, non, mais sur la sœur, c'est pas pareil. D'accord. Sur sa sœur, c'est pas pareil, quoi. Non. Moi, je suis le grand frère. Je suis désolé, il fallait faire le respect à la maison. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Ah bon. Mais c'est plus le cas maintenant. Sachez, Claude, que c'est comme ça que ça marchait. Quelque chose a déraillé dans votre façon de faire. Votre petite femme n'a plus du tout. Envie de vous écouter, elle a envie de faire autre chose, de se faire photographier comme elle a envie. Je pense que ça va vous énerver quand même quand les photos vont paraître. Ça paraît bientôt, non ? Bon, elles vont pas paraître dans du tout. Semaine. Non, ils vont pas paraître. Dans ? Dans une semaine. Dans une semaine ? Non, ils vont pas paraître. Bien fait pour toi. Ouais. Et Angélique, vous connaissez le. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Vous connaissez le support, enfin le journal dans lequel ça va paraître ? Bah, bien sûr, ouais. Il est connu, c'est un journal très connu et elle va passer dedans, ouais. on la verra dedans. Ouais. Vous pensez avoir totalement bien réussi votre, comment peut-on dire, votre petite vengeance, hein, ça fait quand même plaisir de... Oui, tout à fait. Ouais. Même par l'intermédiaire de Sylvie, ça fait quand même plaisir de voir son frère quand même dans cet état. Énervé, non, un peu, Claude ? Bah, elle se venge par rapport à moi sur ma femme, mais c'est complètement débile, t'as qu'à te venger sur moi au lieu de te venger sur elle, hein. J'ai l'impression que tu t'es un peu. Ah oui, bien sûr. Je te fais confiance, je te laisse sortir avec ma sœur. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de la prendre sous ta coupelle et faire des photos porno, franchement. C'est pas des photos porno. Non, tu n'as rien compris. Tu es là à poil, c'est tout. Tu ne comprends rien. Non, il reste quelque chose. Hein, vous nous avez dit que ce n'était pas entièrement. Il restait. Non. Mais enfin, c'est quand même très suggestif. C'est dénudé. Ouais. Qu'est-ce qui vous ennuie le plus, vous ? Vous partagez votre femme, vous, moi pas. Hein.
On partage pas sa femme. Sa femme, c'est son bien, on la garde près de soi, c'est tout. Ouais. Il n'y a pas à la partager avec quelqu'un d'autre. Là, elle va tu vas être partagée par... avec qui? Je ne suis pas un objet. Mais j'ai jamais... J'ai jamais dit que t'étais un objet, j'ai jamais dit ça. Je te dis, tu es ma femme, tu restes avec moi, c'est tout, point barre. Un bien, Non, je ne suis pas un bien, je suis un être humain qui a besoin de s'exprimer. Mmh. Et maintenant, elle y arrive. Et vous savez, vous nous dites, moi, je ne veux pas partager ma femme. Nous connaissons d'autres hommes, peut-être y en a-t-il ici, qui seraient, eux, je ne sais pas, plutôt flattés de voir leur petite femme comme ça. J'en suis sûre. Ouais. Et vous, ça ne vous fait pas grand-chose, ce n'est pas votre truc. Hein. Non, franchement, non. Non. Non, mais il vous arrive, vous, de feuilleter ce genre de revue ou de, enfin, comme ça, parce que vous êtes quelque part... Pourquoi j'aimerais feuilleter ça? Je suis content que j'ai à la maison. Ça vous plaît pas, ça? Mais il le dira pas. Il le dira pas, de toute façon. Non. Mais enfin, vous qui le connaissez depuis qu'il est petit... C'était quand j'étais jeune, ça, c'est tout. Maintenant, c'est fini. Hein. Ouais. Loin, hein. Enfin, il y a d'autres jeunes, aujourd'hui. Comment ça, faut pas aller très loin? À la maison, écoute, tout le monde fait ça, alors... C'est des petites femmes dénudées, c'est tout. C'est pas la mer à boire. Eh bien, justement. Quel est l'homme qui n'a pas une revue avec des femmes dévêtues chez lui à la maison? Eh ben, il faut bien qu'il y en ait qui fassent des photos. Voilà. Hein? Eh ben, vous avez de la chance, c'est la vôtre. Profitez-en. On ne comprend pas toujours tout. Parfois, quelques attitudes nous échappent. On ne comprend pas pourquoi une femme qui était considérée comme plutôt réservée, tout d'un coup, ose s'afficher. Dans des revues, on comprendra peut-être mieux après les questions et réactions du public. Au lieu de faire ça sans lui demander, vous devriez d'abord lui demander l'accord pour le faire. Écoute, un homme sensé au lieu d'écouter ma soeur. Mais je connaissais son avis à l'avance. Et puis, vous, la belle-sœur, c'est un peu vous qui avez remué le bordel. Quoi. Voilà, c'est vous, c'est à cause de vous, tout ça aussi. Exactement. Ouais. Parce que ben oui, mais Angélique. Je suis certain que vous ne l'aurez pas fait poser dans un magasin. Vous ne l'aurez pas fait. Mais jamais l'heureux. Mais non, jamais. Elle est majeure, elle vous avez trouvé la bonne poire pour le faire, voilà. Peut-être qu'elle m'a fiancée, mais... C'est la bonne poire. Elle est majeure et vaccinée. Ben oui, voilà, vous êtes naïf et vous êtes fait embobiner, c'est tout. Et vous trouvez que c'est pas bien qu'elle a vraiment été... Enfin, ça peut être un point de vue tout à fait défendable. Mais vous trouvez qu'elle a vraiment été embobinée à... Moi, je crois que... Bon, elle connaît une personne qui fait des photos dans les magazines. Pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas fait elle-même, les photos? Pourquoi est-ce qu'elle a trouvé sa belle-sœur pour le faire? Voilà, elle a accepté, c'est tout. Moi, je ne serais pas d'accord que ma copine pose dans les magazines. Mais c'est vrai qu'on dit toujours, bon, OK, les livres, on aime bien et tout, mais c'est mieux de voir les autres femmes que de voir sa femme, c'est certain. Enfin, il y a des femmes célibataires qui peuvent faire ça. Ça, c'est hypocrite, ça. Voilà. Non, il y a des femmes célibataires, des mannequins, des femmes qui sont mannequins, célibataires, qui peuvent le faire. Et voilà, pas besoin d'envoyer une femme mariée pour faire pour poser dans les bouquins, c'est tout, voilà. Rendre service à la personne qui dit cherchait une personne pour être photographiée, pourquoi toi qui es physiquement bien, tu ne l'as pas fait toi-même au lieu de foutre la merde dans un autre couple en fait? Moi je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin d'argent et j'ai pensé à Sylvie qui elle était dans le besoin, elle est toujours hein, d'ailleurs. Et c'est seulement parce qu'elle était dans le besoin, c'était pas tout simplement pour foutre la merde avec ton frère quoi. Exactement, exactement. Non. Bah, je sais que mon frère il est. Je sais comment il est, alors tant pis pour lui. Hein. Tant pis, et Sylvie, c'est une belle femme, alors pourquoi pas? Ouais. Sylvie, ce que nous avons aimé dans votre histoire, c'est au fond quelqu'un de très timide, d'un peu recroquevillé, qui arrive parce qu'on reçoit un coup de main, même si ce coup de main n'est pas totalement désintéressé, même si vous, ce qui vous a amusé est peut-être de faire enrager votre frère, mais d'arriver après quelques semaines à vous exprimer, à vous libérer, à vous sentir mieux, à vous sentir plus belle. Et peut-être que ça, c'est déjà pas si mal que ça. Merci à vous. La provocation est maintenant très courante. Il n'y a pas encore si longtemps, provoquer, ne pas être tout à fait comme les autres, était réservé à un petit nombre. Aujourd'hui,
la provocation semble être accessible à tous, à chacun. Chacun dans son coin est capable aujourd'hui de prendre sur soi et de provoquer l'autre. Alors, un peu partout tout autour de nous, ça provoque grave même, ça provoque même au quotidien. Le quotidien est devenu provoquant. Assumer ce que l'on est, aimer son corps, provoquer un peu les autres avec son apparence, c'est monnaie courante. Et c'est tant mieux si la provocation aujourd'hui en plus rapporte, c'est bien mieux que la provocation gratuite de jadis. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Bonsoir.